La palette est un excellent outil de personnalisation de vos projets. Elle vous permet d'importer des images, des textures, des paysages, afin d'apporter encore plus de réalisme à votre scène. Nous vous proposons au travers de ce tutoriel de découvrir la palette et ses fonctions de base. Voici un exemple d'une cuisine où nous avons fait appel à la palette deux fois, une fois pour le carrelage au sol et une autre fois pour l'image dans le cadre. La palette est un outil qui vous permet de récupérer des images, des textures sous format photo et de les utiliser dans vos scènes. Prenons l'exemple de l'image dans le cadre. Tout d'abord, assurez-vous que votre image soit au format JPEG ou BMP. Il peut s'agir d'une photo prise avec votre téléphone, votre appareil photo ou bien une image récupérée sur Internet. Enregistrez ensuite cette image dans votre répertoire in situ qui se trouve sur votre ordinateur, puis choisissez le sous-répertoire texture. Donnez un nom à votre image afin de la retrouver rapidement. Évitez les noms avec trop de caractères. Ensuite, dans le logiciel, ouvrez la palette soit en passant par le bouton raccourci, soit dans le menu déroulant configuration, puis graphique et palette. Voyons ensemble comment comprendre les premières colonnes de cette fenêtre. Cliquez sur ajouter pour intégrer votre image à la palette. La première colonne correspond à un code pour votre image, chaque image étant unique. Suivez l'ordre des lignes pour plus de facilité. Dans la seconde colonne, vous pourrez donner un nom à votre texture, votre image. Nom que vous retrouverez lorsque vous attribuerez une texture à un objet. Choisissez donc un nom précis. Laissons la troisième colonne de côté. Nous n'en aurons pas l'utilité pour les images. Double-cliquez dans la quatrième colonne. Vous arrivez par défaut là où vous avez enregistré votre image. Choisissez cette dernière. Les deux colonnes suivantes correspondent aux longueurs et hauteurs de l'image. Pour une image à insérer dans un support, tel qu'une porte-fenêtre, un cadre, un tableau, nous vous suggérons de mettre 0 et 0. De cette manière, l'image s'adaptera automatiquement à la dimension du support. Attention nous verrons que cette recommandation n'est pas valable pour le carrelage, par exemple. Ces réglages sont largement suffisants pour l'utilisation de la palette, les autres colonnes étant utilisées par nos services pour la création d'objets. Cliquez juste sur Incorporer afin d'intégrer votre texture à la palette. Cliquez ensuite sur Enregistrer, puis fermez la palette. Votre image est à présent enregistrée de manière permanente dans les textures. Et vous pourrez l'utiliser quand vous le voudrez. Pour l'utiliser dans notre cadre, il vous suffit de sélectionner ce dernier et de vous assurer que vous avez bien choisi un coloris libre, c'est-à-dire modifiable. Ici, nous avons utilisé un cadre du catalogue Cadres et Tableaux. En sélectionnant le cadre, puis clic droit et finition, nous pouvons choisir ce fameux coloris libre. Vous pouvez à présent aller dans les attributs de l'objet. Clique droit, puis attribut. Cliquez sur modifier comme vous le faites pour changer la texture et/ou la couleur d'un mur, par exemple. Et allez chercher votre palette qui se trouve tout en bas des textures. Sélectionnez-la, l'image apparaît à gauche. Validez jusqu'à la fermeture des fenêtres et observez le résultat en 3D. Voyons à présent l'utilisation de la palette pour le carrelage. Là encore, nous avons récupéré une photo sur Internet. Petite astuce pour les carreaux et matières structurées, n'hésitez pas à ajouter le mot texture à votre recherche internet. Par exemple, ici nous avons recherché carreaux de ciment texture, ce qui vous permet d'obtenir des images déjà détourées et propres. La méthode d'enregistrement de l'image est la même que celle vue précédemment. Ce qui diffère ici, ce sont les dimensions que vous allez renseigner lors de l'enregistrement dans la palette. Ici, il est recommandé d'indiquer les dimensions réelles du carreau. Pour un panneau, on renseignera dans la mesure du possible les dimensions de ce dernier ou les dimensions de l'image. Le but étant d'éviter toute coupure disgracieuse dans le dessin. Enfin, pour intégrer cette image au carrelage, nous vous conseillons d'utiliser l'un de nos catalogues de carrelage et de bien veiller à utiliser une finition libre ou également appelée à colorer, puis de choisir dans les différents chapitres une référence unie à colorer. Dans notre exemple, nous avons utilisé le catalogue carrelage non chiffrable. Cliquez sur un carreau pour le sélectionner, puis clique droit et choisissez attributs. La couleur 1 étant la couleur des joints et la couleur 2 celle du carreau. Vous pouvez ici choisir votre image créée dans la palette. Avant de valider, n'oubliez pas de choisir l'option copier style à tous afin que cela s'applique à tous les carreaux. Observons le résultat final en 3D. Notre image est parfaitement adaptée aux différents carreaux. Pour les textures telles que le parquet, par exemple, nous vous conseillons d'utiliser des textures que vous trouverez sur certains sites dédiés, tels que SketchUp Texture Club, par exemple. Cela vous permettra de récupérer des images dites mappables et donc parfaitement adaptées.